Salut tout le monde, c'est Player Seb. Regardez le numéro 10 de Kaiju numéro 8, le tome 10 en version donc collector, un petit coffret. Dedans, du coup, il y a le tome 10, il y a un stand acrylique et un petit livret de 24 pages de book. Voilà, il coûte dont 11,99 €. Voilà, allez, c'est parti. Ouverture, donc, regardez le manga, le stand acrylique. On va le monter dans quelques instants. Bon, j'aurais préféré avoir le personnage principal, mais bon. C'est pas grave quand même. Hein. Peut-être dans un prochain coffret. L'artbook. Donc, un petit book. Regardez, on va le feuilleter. Ce manga-là, c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai connu seulement depuis cette année, donc 2024. Donc, c'est bien l'avantage. Sur moi, je peux lire tous les mangas d'affilée. Ils sont actuellement au volume 11, 11 ou 12. Il y a même l'animé sur Crunchyroll. Pareil, une petite pépite. Bon, maintenant j'ai rattrapé, du coup, que je vais bientôt rattraper, donc l'apparition française. Je vais devoir attendre, du coup, maintenant 2-3 mois à chaque fois. Bon, moi là, j'ai pu tout lire d'une traite. Franchement, cette année, mes deux coups de cœur, c'est ça. Kaiju numéro 8 et Dame d'Adam. L'anime arrive également donc au mois d'octobre sur Netflix et Crunchyroll. Donc voilà pour l'artbook, stylé quand même. Le stand acrylique, dans 2 secondes, je le monte. Et enfin, le tome 10. Bon, ils n'ont pas mis de couverture alternative. Non. Dommage, mais bon, c'est pas grave. Avec des gros kaijus qui sortent dans la ville. L'héros principal, il devient un kaiju aussi. Alors, dedans, on a les épisodes de 74 à 81. Bon, bah alors, attention au spoil, évidemment. Allez, je monte le stand acrylique, les amis, et je vous le montre. Let's go! Et voilà, les amis. Le stand acrylique, il est monté. Bon, bah, je sais qu'il y en a qui sont fans de ces trucs-là, d'autres détestent ça. Moi, je trouve ça original. C'est vraiment c'est une petite figurine plate. Donc, c'est joli. Après, je comprends ceux qui n'aiment pas non plus. Moi, ça me dérange pas d'en avoir, au contraire. Je trouve c'est original d'avoir toujours un écran 3D. Moi, j'aime bien. Quand j'en ai à chaque fois, je suis content. Voilà, les amis. Bon, bah, j'espère que cette petite unboxing t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like de soutien. Retrouve sur la chaîne d'autres mangas, mais également du comics, du jeu vidéo, des bandes annonces de cinéma, de séries, bref, pas mal de choses t'attendent. N'hésite pas à aller faire un tour. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde!